Matryoshka. On n'est pas uniquement ce qui nous est arrivé, on est bien plus que ça et on doit aller au-delà. D'accord, mais comment mener ce travail de transformation, de réparation collective? Comment lutter contre tout obscurantisme? Comment prévenir de tout autre crime contre l'humanité? Delphine Orvilleur est adepte de la porosité, de l'influence, de la contamination, de l'ouverture. La crise qu'on vit aujourd'hui, elle nous a fait toucher du doigt à quel point on est d'abord dans notre vulnérabilité, mais aussi notre interdépendance. Et je trouve que ça aussi, c'est potentiellement une recette de réparation collective, la conscience de l'interdépendance, la conscience de ce qu'on doit aux autres. Tous les génocides, ils ont essayé de se débarrasser d'une partie de la population parce qu'ils percevaient cette population-là comme contaminante. Et ils voulaient en réalité se débarrasser de son influence supposée sur nos corps ou sur nos esprits. Et en fait, moi, je pense que la seule formule pour lutter contre cet élan génocidaire, c'est bien souvent d'être conscient, au contraire, de tout ce qu'on doit à l'autre et tout le caractère positif des contaminations dans nos vies. C'est-à-dire qu'on est, oui, on est des êtres poreux. Et quand on veut se raconter notre histoire de manière hermétique, comme si on devait rester authentiquement nous-mêmes, ne surtout pas être influencé par un autre, rester totalement fidèle à notre histoire, à notre héritage, à l'histoire de nos ancêtres, eh ben on est très très vite menacé effectivement par un élan destructeur de l'altérité. Vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en tant que rabbin pour justement essayer de lutter contre cet obscurantisme, le repli communautaire, clanique ou autre? Qu'est-ce que vous faites justement pour ouvrir les dialogues, pour ouvrir cette porosité, pour favoriser cette contamination positive? J'essaye, moi, dans mon travail de leader religieux, dans mon travail de rabbin, de développer des dialogues dans bien des directions, des dialogues, bien sûr, avec l'autre. Je mène beaucoup de dialogues interreligieux. J'ai eu la chance, ces dernières années, de travailler beaucoup avec des collègues chrétiens, musulmans. J'ai écrit un livre avec un islamologue sur la possibilité d'un renouveau du dialogue judéo-musulman. Moi, il me tient beaucoup à cœur d'entretenir ce dialogue qui, bien souvent, nous fait comprendre qu'on partage beaucoup plus avec l'autre qui vit dans une autre maison mais qui a une capacité d'ouverture qu'avec parfois les éléments de nos propres familles qui refusent toute ouverture et qui vivent de façon hermétique à l'intérieur de leur certitude. Vous voyez, mais qu'est-ce que ça vous apprend alors? Qu'est-ce que vous avez appris? Une des choses par exemple que j'apprends, c'est que le monde il se répartit pas entre ceux qui croient et ceux qui croient pas, ceux qui croient en tel Dieu et ceux qui croient en un autre Dieu. Le monde, pour moi, il se répartit davantage entre les gens qui, dans leur vie, font de la place au doute et les gens qui, dans leur vie, n'en font pas. Les gens qui, dans leur vie, font de la place aux autres et les gens qui, dans leur vie, n'en font pas. En fait, le propre des fondamentalistes, moi, vraiment, ce que j'ai appris ces dernières années, malheureusement, on voit se développer un peu partout les fondamentalismes religieux. Le propre des fondamentalismes, c'est qu'ils refusent l'histoire. C'est-à-dire qu'ils refusent le caractère évolutif de qui nous sommes. C'est-à-dire le fait que nous avons traversé des temps différents qui ont influencé nos lectures, notre façon d'être au monde. Et tous les fondamentalismes, ils font semblant de se raconter l'histoire comme si, voilà, on devait revenir à la pureté des origines. En fait, vous l'avez compris, le mot dont je me méfie le plus, vraiment, c'est le mot de pureté. Dès que quelqu'un commence à vous parler de pureté des idées, de pureté des pratiques, de pureté des corps, alors méfiez-vous. En fait, on est en danger. Merci Delphine Orvilleur. On retiendra de tout ce que vous nous avez dit à quel point l'histoire ne se fiche pas et qu'elle est en mouvement, et surtout qu'on peut participer à ce mouvement, être actif. L'idée étant moins de savoir ce qui nous est arrivé que ce que nous allons en faire, et d'éviter toute dérive victimaire, de transformer pour empêcher de tomber dans tout piège fondamentaliste, obscurantiste ou puriste. Merci à l'UNESCO et à ses équipes pour sa confiance, et puis surtout merci à vous, toujours plus nombreux à nous suivre. Alors n'hésitez pas à faire connaître la chaîne, à partager cet entretien s'il vous a plu, à le liker, à le commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite pour un prochain Matryoshka. Salut !